place de la Riponne, à l'heure H moins 30 minutes. Alors l'idée c'est de rassembler des gens qui viennent de tous horizons, de faire un rapide briefing et à une heure exacte, sur un lieu déterminé, tout le monde se fige pendant 5 minutes. Bon, je pense que déjà premièrement aujourd'hui on a de la chance avec la météo parce qu'il fait beau et puis qu'il fait chaud. Et maintenant, par rapport à Lausanne, c'est clair que c'est pas très comparable à Paris parce que c'est quand même une ville qui est beaucoup plus petite. Je suis quand même satisfait de la participation qu'il y a eu sur internet parce qu'au départ on s'est dit que si on était 20 ou 30 on serait hyper content. Aujourd'hui j'espère avoir une moyenne de 300 personnes, ce qui me paraît quand même correct pour une ville de la taille de Lausanne, d'autant plus qu'il y a des gens qui viennent de loin pour participer, ce qui conforte la crédibilité du projet de base, j'ai envie de dire. C'est parti. Tu savais qu'il y a un freeze Ah non, un freeze? C'est quoi? C'est quoi un freeze? C'était un blocage, un figeage assez compact, mais sympa. Très sympathique. Très sympathique, frais, poétique, léger, insouciant et sans signification particulière. C'est très bien. Pas mal. J'étais dans le mauvais sens, j'ai pas vu le public, mais j'ai quelqu'un qui a dit salut, ça va, salut. Il était là, mais... le nez dans mon canard, je voyais rien de ce qui se passait. C'était mauvaise pause. Je trouve que c'est bien d'un peu déconner gratuitement par les temps qui courent. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on est content de penser ce qu'on pense et surtout de faire ce qu'on fait. Là, c'est moins pentu, tu vois. Le Tichel, ce serait bien. Le Tichel, mon dieu. Mais le problème, c'est que maintenant, on va revenir là. Genre, on loupe tous nos trains. Thank you.
jamais à 16, ils arrêtent la musique. Et à 21, ils la rallument. Comme ça, on saura. Merci Swisscop. Succès inespéré parce que plus de 350 personnes à la première flash mob, on en a fait 5 en tout. On s'est retrouvé encore à 50 personnes dans la gare, je pensais jamais que ça aurait autant de succès, donc sur tous les plans c'était génial. Alors non seulement c'est la première en plus, il y en a eu une grosse à Saint-Laurent à 14h, mais il y en a surtout 3 autres qui étaient quand même assez fréquentées, donc pour ça c'était vraiment génial. Bah, faut croire que si on cherche au bon endroit et qu'on touche les bonnes personnes peut-être au bon moment aussi, on arrive quand même à bouger les gens pour des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. L'expérience d'aujourd'hui montre que ça a quand même assez bien marché et que ça vaut peut-être la peine d'imaginer une suite. Bah, merci à tout le monde d'avoir participé, quoi. C'était génial, je pensais jamais que ça marcherait aussi bien. Et puis je vous donne rendez-vous pour une autre fois, un de ces quatre.